Steve, on revient pour le round numéro 2 de Nose, de Barberey-Saint-Sulpice, près de Jean Casino dans l'Aube. Oh, excusez-moi, j'ai chaud. Je suis coiffée un peu bizarrement. J'ai tellement chaud, je les ai mis en arrière. Voilà. Désolée pour le gling-gling. Ce sont mes bracelets. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, parce que sinon, c'est impossible de filmer mes chatons. Impossible. Alors, je vous reviens pour des soins et des bijoux. C'est un tout petit haul. J'essaie de limiter un peu mes dépenses dans le maquillage, les soins. Je prends seulement ce qui m'intéresse. Est-ce qu'elle est utile ou pas? Vous allez voir. C'est parti? Allez. Alors, en premier lieu, j'ai un petit haut de chez Gémeaux. Voilà, j'ai payé 4 euros. Un petit t-shirt col V. Un petit collier. Hop là. Je zoome. Oh non, je dézoome. Un petit collier de chez Nose qui est assez vieux. Je l'avais payé dans les 1,49 €. Voilà. Les boucles d'oreilles, pareil, de chez Nose. Fluxement. Elle m'énerve cette caméra. Pourquoi est-ce que... Voilà. 1,49 €, je crois, ou 1,39 €. Ensuite, mes chatons, en bague, une petite bague Clips de chez AliExpress. Il y a pour moins de 2 euros, là. Voilà. Et en bracelet, des petits bracelets, un lot de bracelets Nose, que j'avais eu à 1,49 €. Voilà. Trop mignon, avec des pompons. Voilà mes chatons. En maquillage, toutes de ringes vêtues, j'ai mis en poudre. Une poudre Wapa, mais ma teinte d'été. Est-ce que je suis flux? Je vais mettre mes 4 oeils. Hup là. Non, ça va. Voilà, c'est ma teinte d'été, c'est la 01. Et je n'en ai plus beaucoup. Je vais la finir cette année. Voilà. Parce que l'autre me fait un peu blanche. Je l'adore, je l'avais eu à 2,49 €. Ensuite, mes chatons, en highlighter, j'ai mis un highlighter toujours de chez Nose à 1,29 € de chez Wet n Wild. Hop, il est comme ceci. Un irisé, il est un peu pêche. Voilà. En blush, un blush AliExpress. Vous savez que j'adore leurs produits teints. C'est de la marque Fares Cosmetics et là c'est le 06. Pour cette saison, je l'adore. Il est pêche, pareil, enfin saumonné un peu. Et ce sont des blushs cuits, irisés, saumonnés. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Surtout pour cette saison. Ensuite, en rouge à lèvres, c'est un mélange de chez Nose et AliExpress. De chez Nose, alors le premier, en première couche, j'ai mis un essence à 99 centimes. C'est le 08. Voilà, il est comme ceci. C'est mis en velvet mat, mais c'est un crémeux. Il n'est pas du tout velvet mat. Hein. Voilà, de chez Essence. Je l'adore. Et j'ai mis par-dessus, de chez AliExpress, le 06. De la marque Lula. Ça s'écrit comme ceci. Je l'ai payé, ça devait être dans les 1 €. Voilà. Et c'est un joli joli petit rouge à lèvres avec des paillettes. Un reflet doré comme ceci. Mais tout seul, comme ça ne se voit pas, vous voyez, mélangé. Tout seul, il est très beau également. Voilà. Ensuite, pour fixer mon teint. On n'en change pas une équipe qui gagne, il descend. Le Max & Morph Makeup Fixing Spray, voilà, à 1,99 € de chez Action. Je vous le conseille à 10 000 %. Pour les yeux, enfin, je vais vous montrer, voilà, les yeux, les sourcils. Les sourcils, c'est toujours... Voilà. Les sourcils, c'est toujours du Nose. C'est là une de mes palettes MUA. Là, c'est la chaude. C'est la fer à 1,99 €.
Voilà, vous la voyez régulièrement. J'ai mélangé ces deux couleurs-là pour la tête du sourcil et j'ai mis celle-ci pour la queue du sourcil. Et pour fixer la petite cire transparente. Voilà, je les adore. Pour les yeux, j'ai utilisé une palette qui m'avait été donnée par ma copine Céline. Voilà, merci encore. Et tu vois, je l'ai encore. Vous savez, ce sont les palettes gratuites de chez Revolution Beauty. Quand on fait des belles commandes. Et moi, je l'adore. Donc, pour le dessous du sourcil, pour highlighter, j'ai utilisé celle-ci. Pour faire le creux de banane, j'ai utilisé le seul satiné semi-mat. Voilà. En légère couche, toute légère. Hein. Je crois que ça passe trop rouge. En coin interne, celui-ci. En milieu de paupière, ce beau doré. Et en coin externe, ce beau bordeaux irisé métallisé. Voilà. Elle est géniale cette palette, franchement. Merci beaucoup Céline. Et puis pour les cils, et pour la muqueuse, j'ai utilisé un petit crayon, alors soi-disant waterproof noir, un eyeliner pencil de chez AliExpress. Voilà, que j'avais eu moins d'un euro. Waterproof, enfin, chez moi rien n'est waterproof. Donc je peux pas vous dire. Moi ça coule quand même. Je transpire beaucoup. Et pour les cils, j'ai utilisé en base une petite base P2 que j'ai eu il n'y a pas longtemps chez Nose à 99 centimes. Elle est pas mal. Il faut y revenir plusieurs fois. Mais bon, pour tous les jours, faire les courses, c'est largement suffisant. Mais je préfère ma base AliExpress qui en un coup de pinceau blanchit et allonge les cils. Mais bon, ça, c'était sur place. Et j'en ai trois d'avance. Et c'est largement suffisant pour le prix. Et en mascara, j'ai utilisé un mascara L'Oréal que j'avais eu en promotion au Beauté Leclerc. Voilà, promo Beauté Leclerc. Le volume million de cils, fatal. Il est comme ceci. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Il est très très bien. Voilà mes chatous, je vous ai tout dit. Je vais vous remontrer mon make-up. Voilà, un make-up, petit prix, mini prix même. Mais il fait le maximum. Allez mes chatons, c'est parti? C'est parti. Je vous rapproche un petit peu parce que j'ai des bijoux. Ah oui, elle a craqué. Elle a craqué. Hop. Alors, je m'étouffe. J'ai pas grand-chose, mais des pépites. Et je vous souhaite de les trouver. En premier lieu, des soins-cheveux. J'ai trouvé un shampoing de la marque XHC, Expel Hair Care, comme ceci, une belle bouteille verte, Green Tea Shampoing. Je l'ai payé 1,50€ ce shampoing et il m'avait l'air assez clean. C'est mis shampoing au thé vert, shampoing au thé vert, voilà. Appliquer en quantité généreuse, masser le cuir chevelu, faire mousser, rincer à l'eau fraîche. Voilà. Donc il a l'air pas mal. Pas mal du tout. Il y a combien? Il y a 400 ml. Shampoing nourrissant, enrichi au thé vert, qui lave votre cuir chevelu délicatement, sainement et avec une mousse délicate, quoi. Voilà, donc je me suis dit, et j'ai rencontré une tante à Kido. Ça sent trop bon. Franchement, il n'y a rien à voir, hein. Ça sent super bon le frais. Sans parabènes, testé dermatologiquement. On voit que ça a l'air d'être de la qualité. Franchement, je suis trop contente. 1,50€. J'ai pris le conditionneur de la même marque, qui m'a l'air bien... bien crémeux, vous voyez, c'est de la crème quoi, c'est pas liquide et ça j'aime parce que ça épouse bien le cheveu.
toujours 1,50€ après shampoing au chanvre. Voilà, il y a toujours 400 ml. Ingrédients aux plantes naturelles, sans parabènes, testés dermatologiquement. Au chanvre. Pareil, 1,50€. Voilà, ça sent bon. Ah, franchement. Et la tata à Monkidou, eh ben, m'a dit que c'était des super soins pour cheveux et qu'elle les adorait, elle les prenait à chaque fois chez Noz. Donc j'ai hâte de tester. Mais pas tout de suite, hein. J'en ai d'autres à finir. Toujours pour les cheveux, un shampoing à l'ortie pour cuir chevelu gras. En ce moment, avec la canicule et avec l'été, quoi, eh bien, j'ai le cuir chevelu qui graisse beaucoup plus vite. Et je me suis dit, pourquoi pas? Surtout 1,79€. Voilà. C'est de la marque Herbal Pharmacy. 95% de forme naturelle. Shampoing à l'ortie. Alors c'est mis appliqué sur cheveux humides, masser doucement le cuir chevelu, rincer. C'est pas écrit en français. Donc ça va bien me retirer le sébum du cuir chevelu. Je suis trop contente. Ça doit sentir bon. Ah ouais, ça sent vraiment la plante. Oh, ça peut être rafraîchissant en plus. Donc j'ai hâte de tester. 1,79€ et il y a 400 ml. Et je suis trop contente d'être tombée dessus. Voilà. Et j'ai pris également le shampoing. Alors c'est toujours un shampoing. Il n'y avait pas d'après-shampoing, moi, de la marque Herbal Pharmacy. Dites-moi, vous, si vous aviez les après-shampoings. Toujours 1,79€, 400 ml. Herbal Pharmacy, et là c'est shampoing pour cheveux secs. Donc celui-ci je le mettrai aux pointes. Voilà. Et c'est au gingembre. Ah bah, ça convient pour cheveux gras. Pourquoi ils ont mis shampoing pour cheveux secs? Je suis pas folle. Regardez là. Attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez? Là c'est mis pour cheveux gras et après mettre pour cheveux secs. Non, ça doit être pour cheveux gras. Ouais. Et ben ça c'est génial. 100% de forme naturelle. C'est au gingembre. Donc. Oh, ça sent bon. Moi qui n'aime pas le gingembre, d'habitude ça pique. Je sais pas, il y a autre chose avec. Ah, c'est ça, cheveux gras aux pointes sèches. C'est exactement ça. Parce que moi, j'arrive à avoir des fourches tellement ils sont secs au bout. Et là, ils graissent vite avec la chaleur. Donc, je suis trop contente à 1,79€. Trois shampoings, un concealer, un conditionneur, nickel. Et j'ai trouvé des petits bijoux. Oui, oui, oui. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petits bijoux. Je vais commencer par le bracelet à 99 centimes. Un petit bracelet. Après, je me suis dit, oh, j'étais classique. Alors, j'ai retiré le reste. J'ai laissé que deux plastiques pour ne pas vous faire de bruit. Un petit bracelet de la marque. Il n'y a pas de marque. Voilà. Je l'ai eu à 99 centimes. Et en fait, en magasin, il était qu'à 3,95. Est-ce que vous allez voir? Voilà, 3,95€. Il est tout simple. Élastiqué avec des petites perles de corail et un petit pendant en nacre, là. Voilà, tout simple. Oh, ça fait son affaire quand même. C'est mimi. Ça brille. C'est délicat. Pour 99 centimes, je ne perds rien. Je le mettrai avec d'autres. Voilà, il est sympa. Ensuite, toujours 99 centimes. Deux petites paires, enfin chacune une paire à 99 et je les ai mis ensemble, pas faire de bruit. 99 centimes, toutes les boucles d'oreilles de toute façon. De la marque Go Deutsch Label, je vous ai déjà présenté ce genre de bijoux.
Des fois, j'aime bien les bijoux légers, délicats. Voilà. Et là, j'ai trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles, comme ceci. Dorées, en forme pour oreilles percées. Dans les tons verts, j'ai pas beaucoup de boucles d'oreilles vertes. Et je me suis dit, c'est sympa, c'est délicat. Voilà. Et j'ai payé ça dans 99 centimes et c'était 14,95 en magasin. Je vais zoomer un peu pour les bijoux. Voilà. 14,95. Et je trouve ça très mignon. 99 centimes. C'est ni trop gros, c'est tout léger, ça brille. J'aime beaucoup. Et j'en ai pris en argenté dans les tons saumon. Toujours 99 centimes au lieu de 14,95. Voilà, les mêmes mais en argenté et orangé. Je pourrais les mettre aujourd'hui d'ailleurs, vous voyez. Si j'ai pas envie d'avoir de grosses boucles d'oreilles. Enfin, elles sont légères celles-ci, hein, je les sens même pas. Voilà. Comme ça, j'ai du délicat en collection de boucles d'oreilles et j'ai également de l'excentrique. Ensuite, toujours de chez Go Deutsch, label, plusieurs sortes de petites boucles d'oreilles, 99 centimes, toutes, hein. Très fin également, mais pendantes, 99 centimes au lieu de 9,95, regardez comme c'est mignon, c'est tout délicat, attendez, voilà, ça se présente comme ceci avec des petites perles corail et une petite feuille au bout. Dans les tons argentés. C'est tout simplement une petite chaîne avec des petites... Est-ce qu'elle va mettre la mise au point? Voilà. J'espère que vous ne voyez pas trop mal. Trop mignon. Très fin. La même chose, mais couleur beige. Toujours 99 centimes au lieu de 9,95. C'est très mignon. Hein? Moi, j'adore. C'est discret tout en étant présent. J'aime beaucoup. Voilà. Ça change un peu. Ou alors, comme ça, je peux mettre des gros colliers. Ensuite, toujours de la même marque. Go Deutsch Label, là pareil, je suis pas très dorée mais j'ai craqué quand même, 99 centimes au lieu de 14,95, regardez comme c'est beau, et là il y a plein de petites perles de toutes couleurs, c'est trop mignon, voilà c'est tout léger, j'aime beaucoup. Voilà, donc là en doré. Et j'en ai pris deux autres en argenté. Là c'est vert et orange. Là je vais vous présenter en argenté, c'est bordeaux et vert. Bon après vous pouvez mettre ça avec tout. Hein. Vous voyez, ça va même avec mon petit t-shirt. Hein. Trop mignon, regardez. Petite perle de corail. Très léger, mais présent malgré tout. Très mignon. Et également en beige. Voilà, ils sont trop mignons. Alors là, il y a un petit défaut, mais j'avais pas vu. Attendez, ou alors elle a été torsadée dans les sacs. Non, oui, c'est celle-là. La petite feuille, elle a été montée à l'envers. C'est pas grave. Ouf. Ou alors je la démonterai et je la remettrai à l'endroit. Oui, je vais faire comme ça. Voilà, toujours 99 centimes au lieu de 14,95. Et là, c'est dans les tons beiges. Comme ceci. Voilà. Ça fait des jolis petits reflets. Des belles petites perles. C'est mignon, non? Je trouve ça délicat. J'ai craqué. J'ai pas pu m'en empêcher. Je trouve ça trop mignon. C'est long mais discret en même temps. Voilà mes chatons, mes petites trouvailles. J'espère que ça vous a plu.
J'ai pas vu passer ces petites boucles d'oreilles dans les All Nose. Donc peut-être que ça va pas tarder dans vos magasins, je vous le souhaite. En tout cas, j'adore ces produits pour mes cheveux. J'ai hâte de le faire, franchement. Je finis ceux qui sont en route là. J'ai bientôt fini mon bain douche qui fait 750 ml à la fleur de cerisier. Mmh, ça sent trop bon. Voilà. Eh bien mes chatons, n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour me soutenir et rejoindre la communauté si vous le désirez. Prochain concours aux 6000 abonnés, donc dans 800 personnes. Allez, n'hésitez pas. J'ai déjà beaucoup d'idées en cadeau. Moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, ben, des gros bisous. Mon Minus se joint à moi. Il est dans le noir, je t'y pépère, avec le ventilateur. Allez, mes chatons, gros bisous et faites attention à vous. Bisous, je vous aime.